Qu'est-ce que c'est de nous? Ben là, nous allons assister au départ de la course, ce qu'on appelle la course des Boussins, après j'ai encore la course Timoun. Cet après-midi, je crois qu'il y a 140 enfants qui vont courir autour de la savane et sur la savane. Et tout ça, c'est comme chaque année, c'est pour montrer qu'il y a quand même des jeunes athlètes, des écoles, des clubs. Donc ça, moi, je dis que c'est toujours de venir. Venir pour garder ça, et puis après, gagner une remise de prix. Puis demain matin, c'est le bagage sérieux qui a commencé. Il est où le responsable de l'organisateur? Pourtant, je lance pas la course, s'il n'y a pas... Alors, M. Pommier. Ah, comment vas-tu? Ça va bien. Dites-nous. Alors, moi, je suis du basket, hein. Mais je viens soutenir la section d'athlétisme de mon club, parce que c'est une grande famille. Voilà. Tout à fait. Alors, vous supportez évidemment le Golden Star. Le Golden Star. Ok. Pour vous, qu'est-ce que c'est que de faire, de voir autant de jeunes? C'est magnifique. C'est l'avenir de notre pays. Et nous devons justement... les prendre en charge, les accompagner de façon à en faire d'excellents citoyens par la suite. Mais je suis très heureux parce que je sens que dans tous les clubs, on essaie de leur inculquer des principes, des valeurs qui leur permettront non seulement d'être bons dans leur discipline, mais également dans la vie quotidienne en tant que citoyen, citoyenne. Alors les enfants, venez. Est-ce que vous êtes impressionné ou pas? Comment vous êtes préparé pour cette course? Beaucoup. Angela. Vous êtes prête? Oui. Alors, et comment vous êtes entraîné? On s'est entraîné au stade. On a vu. Ici. Ah bah oui, ici. Le responsable de la nous aussi. Très bien. Et toi, comment tu t'es préparé? Bien. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es impressionnée? Non, je suis pas impressionnée. Ok. Et toi? C'est pas la première fois que je le fais. J'ai déjà fait une fois. Je suis pas du tout impressionnée du coup. Tu t'es bien préparée? Oui. Combien de semaines avant tu t'es préparée? Quand il y a eu des crosses avant, on s'est préparé depuis peut-être un mois. Donc si bien, on est prêt. Ah, bah, parfait. Eh bien, nous sommes à quelques minutes du départ. Nous avons les parents qui sont très fiers de voir leurs enfants courir sur cet événement avant le semi-marathon. Alors vous pouvez regarder, ils sont déjà prêts à bondir. Un départ imminent, lancé par les officiels de la Ligue d'athlétisme. Alors, on va voir un élu de la ville. Alors dites-nous, pour vous, qu'est-ce que ça représente de voir autant de jeunes rassemblés sur une ligne de départ? La relève est prête. Je dis que la relève est prête. Préparez-vous. Et en tout cas, nous avons une jeunesse qui arrive en force. Elle est massive. En plus, elle est décidée, elle est motivée. La relève est prête. Alors, départ imminent. On fait les dernières vérifications pour s'assurer qu'il n'y a plus aucun véhicule sur le parcours de la course. Alors vous noterez l'attention particulière qu'a la ville de faire courir ces jeunes.
afin, comme M. Pommier l'a dit, d'inculquer des valeurs à ces jeunes, d'entraide, compétitivité. Et ma foi, ils n'ont pas l'air très impressionnés par l'événement d'être présents sur cette course, parce que pendant tout au long de l'année, sont organisées des courses de cross par les établissements scolaires. On voit qu'ils ont déjà l'attitude de grands champions, ou certains déjà licenciés dans des clubs de sport. Le Golden Lion, le Golden Star, Club Colonial, l'Ascoya, toutes ces associations sportives qui œuvrent chaque semaine, chaque week-end, pour accompagner ces jeunes vers l'excellence. Évidemment, la Ligue de Martinique d'athlétisme. Le Comité territorial olympique et sportif de Martinique, le CTO-SMA. La Mutuelle nationale territoriale, la MNT. Et la Mairie sportive. Et puis, sans oublier les autres partenaires, le 33e RIMA Régiment d'infanterie de la Marine et les partenaires privés. Champlain, La Poste, Royal, Citroën, Baudet, Badamart, Paribas, Budget, Groupe Bernard Ayotte, Air Antilles, Total Caraïbes, Ticafé, Crio, Martinique, pour mieux récupérer après la compétition. Faire sortir la voiture qui la sert votre péché. Et le propriétaire de la voiture est intitulé 613 BAG 972. Cette voiture empêche le départ de la course, donc merci de la déplacer maintenant. Voiture de la ville 513 BAG 972. Et les parents, nous nous savons motivés, mais surtout, les écoles et les opéré. Encore un peu de patience avant le départ. Pour vous rassurer, l'attente n'est pas vaine. Il s'agit vraiment de nous assurer des conditions de sécurité d'évolution des enfants. La mairie est en train de vérifier l'emplacement des barrières Vauban, des signaleurs, pour être sûr que tout se passe dans les meilleures conditions. Donc c'est une attente, mais il faut attendre un tout petit peu pour évoluer dans des bonnes conditions. Et on bouge un peu les... On bouge. Allez. Mets-toi devant. Alors, nous avons un animateur de l'Ascoya qui va faire un peu bouger les enfants. Mais ça ne s'endorme pas. Ah, je vais courir avec vous, hein. Allez, ça ne s'endorme pas. Monsieur, allez. Fesses. Les parents, vous pouvez faire aussi. Vous pouvez essayer. Vous allez voir. C'est pas dans les fesses. On pause.
Un peu d'étirement, on va chercher au sol. On descend, les jambes tendues. C'est qui est la plus souple? À nous voir. On se relève. Monsieur Lena, pas. Qui passe par vous? Et encore un peu de patience. Eh bien, moi, il y a trop de parents, il y a trop de parents. On va interroger un parent. Alors, maman, qui es-tu venue encourager? Bon, maintenant, les filles, elles sont là? Ah, et maman, comment tu te sens? On dit que tu es plus stressée. Ah, c'est bien, ah, elles seront les meilleures parce qu'elles sont bien entraînées. Bon, donc les filles, vous serez les meilleures, hein? Mais est-ce que maman va courir le jour ouvert demain? Comment? Est-ce que maman court aussi? Est-ce qu'elle va courir demain? Je vais réfléchir. Ah, pas trop longtemps, maman, pas trop longtemps. Information importante, le départ et l'arrivée ont lieu au même endroit sous l'arche rouge. Ne vous fiez pas à la banderole arrivée. Bon, arrivée uniquement au niveau de l'arche rouge, sport 2000. Courez, courez, on va vous dire. Mes canards bleus. Mais qu'est-ce que c'est? Mais tu sais, c'est ça que tu as dans la tête qui fait que tu penses que tu vas t'amener. Si tu penses positif, tout pourquoi on va être positif. Donc pense que tu vas t'amuser. Mais surtout pense à rester, parce que comme tu sais déjà que tu es angoissé, tu vas te créer des points. Donc faut vraiment. Alex, tu expires. Je t'en prie pas expirer, ouvre ta bouche pour expirer. Plus fort, plus gros. Encore. Encore. On respire, on est OK. Et surtout, ouvre ta bouche pour expirer. Et on pense positif et on est fort. OK, mon canard bleu, on n'a rien à faire. Prends une affaire, on n'a rien à faire. OK? Allez, va. Monsieur Lenafa a dit d'attendre parce qu'il est en train de passer les barrières au monde. D'après ce que j'ai pu comprendre. Non, mais je l'ai vu là, on m'a dit c'est bon. Monsieur Lenafa, va dire ça, Séobline. Ah, Séobline, a priori, on a une information de la ville de Fort-de-France sur la sécurité. Parents, patientez. Et le départ va être donné. Silence au départ. Chut. Il y a combien de poussées? Et c'est parti pour ce départ donné par le représentant de la ville de Fort-de-France, monsieur Patrick Honoré. 40 poussines par an, laissez la ligne d'arrivée. Les enfants, montez. Non, il faut monter parce que ça va arriver vite les pas. Celui qui descend court le semi-marathon demain. 1,5 km. GG. 1,5 km. 40 poussines au départ. Qui font le tour et qui vont arriver très très vite. On compte sur vous pour applaudir toutes les participantes. Thank you.
ils n'arrivent pas à la descente. Parents, n'oubliez pas. Et attention, vous, il y a un passage pour nous, Géraldine. C'est l'arrivée? Non, c'est pas l'arrivée. Ce n'est pas l'arrivée, alors Lascoya en tête avec les points de pilotine. Ce n'est pas l'arrivée, les filles. Ce n'est pas l'arrivée. Dites-leur. Parents, dites-leur, ce n'est pas l'arrivée. C'est pas l'arrivée. Ce n'est pas l'arrivée. Ça continue. Non, maman, non, maman, va disqualifier. Non, maman, maman. Les parents ne courent pas avec les enfants. Ce n'est pas l'arrivée, les enfants. Ce n'est pas l'arrivée. Ce n'est pas l'arrivée, on continue. C'est pas l'arrivée, c'est pas l'arrivée, ma poupoulette. C'est pas l'arrivée, chérie. Les parents, je compte sur vous. Il faut contenir son effort. Et vous les voyez, elles sont sur la savane maintenant. Rien n'est joué. Il reste encore des enfants. Mets-toi sur le... Les parents, mettez-vous bien sur le côté. Ce n'est pas l'arrivée. Mais c'est pas bon comme parcours. Ce n'est pas l'arrivée. N'oubliez pas, restez bien sur les côtés. D'accord. Et les parents, gardez bien la force pour encourager à l'arrivée jusqu'au bout. Et la prochaine fois que vous allez les voir, ce sera l'arrivée. Ouais. Mais ils arrivent, on va se mettre là-bas parce qu'ils arrivent là. Alors ça va contre l'essence. Hein. Et attention, arrivée imminente de la première poussine. 1,5 km. C'est l'athlète du club colonial de 107 contre 3. Et une athlète du club colonial suivie de près par les pointes pilotines. Dossard 212. J'aimerais bien quelqu'un qui me donne le nom des enfants. Peut-être la troisième, hein. Bon courage. Hein. Les enfants, remontez, personne sur le parcours, les parents, les enfants. Athlète de Lascoya.
Le club La Scoya, le club, les clubs Foulalais, les clubs de Chelcher en force. Parents, maman, qu'attendent les autres? Il y a plein d'enfants qui arrivent, il faut aller les chercher. Allez, on applaudit! Mélie Mélo. Monte. Malia. Ça sprint jusqu'au bout. Les enfants, allez vous ravitailler juste après. Et on garde, ça sprint. Applaudissements. Il en reste encore? C'était 40. Combien il y avait? Il nous manque deux athlètes et parents. Je compte sur vous. Il reste deux petites sous le parcours. Lorsqu'on les voit arriver, on applaudit jusqu'à ce qu'elles passent la ligne d'arrivée. Regarde, il faut qu'on finisse. Il manque encore deux athlètes, mais qui vont bénéficier d'un tonnerre d'applaudissements. Les enfants, première chose, c'est quand ils font le ravitaillement. Il y a des enfants qui sont pas, qui n'ont pas fait leur t-shirt de ravitaillement. Ça, c'est la première chose. Mais je reviens tout de suite, hein. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait? Votre fierté d'avoir vu. Très fière de ma pupusse. Le plus important, c'était qu'elle finisse et elle a donné le meilleur d'elle-même. Donc je suis très très fière, une maman comblée, fière de sa fille.
Alors dites-moi, comment les enfants se sont préparés pour cette course aujourd'hui? Dites-nous tout. Ah ben, les enfants se sont très bien préparés au sein de la mairie sportive. Les entraînements avec une fréquence de 2 fois par semaine. Donc ils se sont bien préparés, on verra par la suite. Vous êtes confiante pour l'arrivée? Confiante pour l'arrivée? Ben oui, je suis confiante, mais vous savez, il peut toujours avoir des défaillances, après on verra. L'important c'est de participer. L'essentiel c'est de participer, ce sont des enfants, donc c'est la relève de demain. Alors effectivement, on voit les parents très fiers, les entraîneurs très fiers de leurs enfants. On va voir un autre parent. Alors dis-moi, comment les choses se sont préparées? Alors on voit déjà les garçons se préparer, s'échauffer. Voilà, ils iront sur la ligne de départ. Ma foi, ils sont très motivés, ça va aller très vite. Les filles, elles, sont parties très vite. Ben, nous allons voir les parents, s'ils sont fiers. Dites-nous tout. Qui êtes-vous venu voir ou... Encourager ma fille. Elle court en quelle catégorie? Minime. Donc bientôt. Les points pilotine. Bon, ben, très bien. Donc on voit le sourire sur le visage des parents. Évidemment très fiers. En sachant que c'est extrêmement important de pouvoir faire les enfants pratiquer du sport tôt. Pour la santé. Pour l'éducation civique. N'oubliez pas qu'il repasse. Sur le côté, mettez-vous sur le côté. Angela. J'ai une test qu'on a fait le départ. Elle a compté, machin. Ça va? On se reste pas? Combien? 37. Starter. Et c'est parti pour cette course des poussins. Son modèle 37. 35 à parcourir 1,5 km. Et parents, retenez bien que le parcours est le même, donc restez bien sur les côtés. Les poussins vont parcourir 1,5 km. 1,5 km pour cette deuxième course. Course Timoun organisée par la mairie sportive de Fort-de-France en partenariat avec la Ligue d'athlétisme de Martinique. Ils vont passer une première fois devant vous et ils vont avoir besoin de tonnerres d'applaudissements. Et attention, ils arrivent! Parents, mettez-vous sur le côté. Les enfants sur le côté.
Et on voit déjà pointer les premiers enfants menés par Lascoya a priori. Parents, vous pouvez déjà applaudir pour les encourager. C'est pas quand ils sont devant vous. Ils sont courageux sous le soleil. 1,5 km. Le Saint-Esprit est présent. Lascoya est présent. Les jeunes sont présents. Vas-y, Gégé. Viens où, Gégé? Premier passage pour nos jeunes poussins. Sous vos applaudissements. Cette jeune. Sous vos applaudissements, parents, on va qu'attendre les autres. Et il y a encore un concurrent qui va passer devant nous. C'est dans ma voiture. Vous savez, vous savez, de la Pounali là. Oui, de l'association vous propose en même temps que cette Koustimoun des animations sur le Malécon Fitness. Toute l'après-midi, n'hésitez pas à vous rapprocher de Pionk. Tenez l'applaudissement. Poussin qui passe devant vous. Du Golden Lion, lentement mais sûrement. Donc Géraldine, nous attendons dans très peu de temps les prochaines arrivées, les premières arrivées. Une quarantaine de poussins qui est déterminée à faire aussi bien que les grands qui vont courir demain matin. Quel sac? Elle ne me l'a pas donné. Elle a dû le lâcher quelque part. Elle a dû le lâcher quelque part. Elle a, quoi? Elle a dû le lâcher quelque part. Et c'est ça pour moi. Oui, qui ne. Mais la lutte n'est pas terminée, Géraldine. Le Saint-Esprit suivi d'un athlète. Le Saint-Esprit qui sprint. Et avec quelle maîtrise, s'il vous plaît. Il récupère son ravitaillement et son t-shirt. Et troisième place sur le fil, mais c'est très bien. Ah. Des athlètes qui donnent tout ce qu'ils ont. Attention. Comment il s'appelle? Maintenant. Et Danone et Crystal Glass offrent 600 Cinnoball et 600. Yep. Danone, yop, maintenant pour chaque enfant. Chaque enfant doit récupérer son t-shirt, sa boisson, son Cinnoball, son yop. Danone. On les encourage, s'il vous plaît.
Nous rappelons aux jeunes et aux parents, il ne faut pas partir. Récupérez votre t-shirt, votre Cinnoball, votre bouteille, votre Danone. Et attendez les récompenses. Allez, Dan, allez, bon courage. Attention. Ça va? On les encourage, s'il vous plaît. On a besoin de vos encouragements jusqu'à la ligne d'arrivée. Merci de les encourager. Et rien n'est fini, les enfants donnent tout ce qu'ils ont. 232, 160, 159. Et il reste un ultime concurrent que nous allons tant attendre et encourager. Et ce sera ensuite place au Benjamin pour combien de kilomètres, TG? Thank you.